Eh bien salut tout le monde, c'est Maxence, ce soir Dragon Ball Z, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Je suis très content parce que j'ai acheté deux jeux que j'aimais bien énormément. J'ai acheté à EasyCash Call of Duty. Call of Duty le jour de gloire. Et Call of Duty 2 Big Green One. On va faire un peu de tour sur ces deux Call of. Oui, je sais pas chez moi. Je suis mes grands-parents. Oui, parce que. Et parce que je voulais chez mes grands-parents en fait. Donc voilà, je vous montre l'arrière de Call of Duty. Je dois voir. Écoutez, je l'ai testé. Enfin, je l'ai testé parce que ma grand-mère elle a la GameCube. Donc là, comme d'hab, le menu. Et que là, vous avez plein d'armes. Superbe. Avec le CD Call of Duty, le jour de gloire. Superbe pareillé, superbe. On me tarde pour faire des vidéos. Voilà. Donc celui-là, je suis très content parce que mon grand-père il l'a acheté. Et je le remercie énormément. Et en plus, il est très 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 gentil, mon papy. Un peu sur Call of Duty 2. Donc là aussi, vous avez le menu. Superbe. Ma facture, pas ma facture, le ticket. Je vais vous dire, n'hésitez pas à aller voir à Easy Cash. Donc n'hésitez pas à aller à Easy Cash parce que si vous avez des jeux à vendre, ou des jeux vidéo, des consoles, des BD, des romans, des livres pour les enfants, téléphone portable et tout, allez à Easy Cash parce que ils vous le donnent. Ils vous le donnent. Je vous conseille d'aller à Easy Cash. Voilà. Call of Duty. De Big Red One. Ça, non, ça est un petit peu rayé, mais bon, ça fait rien quoi. Du temps que ça marche. Voilà. Voilà donc Call of Duty 2. Et Call of Duty. Super, moi je vous le conseille de vous que vous l'achetez parce que c'est hyper bien. Bon, ça peut se trouver aussi sur la PlayStation, pas que la GameCube. Vous pouvez trouver plein de Call of Duty. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas une chose, abonnez-vous, c'était Maxence sur Dragon Ball Z, allez, ciao!